Grégor se propulsa lentement vers la porte avec la chaise, puis lâcha celle-ci, se jeta contre la porte et se tint debout en s'accrochant à elle. Les coussinets de ses petites pattes avaient un peu de colle, puis se reposa un instant de son effort. Mais ensuite, il entreprit de tourner la clé dans la serrure avec sa bouche. Il apparut, hélas, qu'il n'avait pas vraiment de dents. Bon. Et avec quoi saisir la clé ? En revanche, les mâchoires étaient fort robustes. En se servant d'elles, il parvenait effectivement à faire bouger la clé sans se soucier de ce qu'il était manifestement en train de se faire mal, car il y avait un liquide brunâtre qui lui sortait de la bouche, coulait sur la clé et tombait goutte à goutte sur le sol. « Tenez, écoutez !» dit à côté le fondé de pouvoir. « Il tourne la clé !» Ce fut pour Grégor un grand encouragement, mais ils auraient tous dû lui crier, son père et sa mère aussi, « Vas-y, Grégor !» Ils auraient dû crier « Tiens bon, ne lâche pas la serrure !» Et à l'idée qu'ils suivaient tous avec passion ses efforts, il mordit farouchement la clé avec toute l'énergie qu'il pouvait rassembler. Selon où en était la rotation de la clé, c'était un balai qu'il exécutait autour de la serrure. Il ne tenait plus debout que par sa bouche, tantôt se suspendant à la clé s'il le fallait, ou bien pesant sur elle de toute la masse de son corps. Quand enfin la serrure céda, le son le plus clair de son déclic réveilla littéralement Grégor. Avec un soupir de soulagement, il se dit « Ah, je n'ai donc pas eu besoin du serrurier. » Et il appuya la tête sur le bec de canne pour finir d'ouvrir la porte. Comme il était obligé d'ouvrir la porte de cette façon, en fait, elle fut déjà assez largement ouverte avant que lui-même fût visible. Il lui fallut d'abord contourner lentement le panneau et très prudemment, s'il ne voulait pas tomber maladroitement sur le dos, juste au moment de faire son entrée. Il était encore occupé à exécuter ce mouvement délicat et n'avait pas le temps de se soucier d'autre chose quand il entendit le fondé de pouvoir pousser un grand « Oh !» On aurait dit le bruit du vent dans les arbres. Et Grégor le vit à son tour, plus près de la porte que les autres, porter la main à sa bouche ouverte et reculer lentement, comme repoussé par une force invisible qui aurait agi continuellement. La mère, elle était là, en dépit de la présence du fondé de pouvoir, avec les cheveux défaits comme pour la nuit et qui se dressait sur sa tête, commença par regarder le père en joignant les mains, puis fit deux pas en direction de Grégor et s'effondra au milieu de ses jupes étalées autour d'elle, la face tournée vers sa poitrine et impossible à discerner. Le père serra le poing d'un air hostile comme s'il voulait repousser Grégor dans sa chambre, puis regarda la pièce autour de lui d'un air égaré, puis se cacha les yeux derrière ses mains et se mit à pleurer tellement que sa puissante poitrine tressautait.